toutes super branchées sur ce Game of 82e sortie rentrée la caillou. Nous très contents, c'est dernière sortie nous pour et semaine ça. Je vendredi c'est jour parade, vendredi c'est jour cadeau. Merci à Greg, à Christian pour tout le travail technique. Yo. Merci à coordonnateur Showan Delfort. Et je dis un grand fort puisque je suis Emily qui est de retour. Bon retour Emily. Et l'on parle toujours pendant que j'ai live dans commenter tout. Et bon retour également à Wodasson. Donc, seul monde qui manque dans l'équipe là, vraiment, c'est Superstar de Olin Sena qui parle là. C'est pas grave, Derlin, le pays plein chômage. Donc, 82e sortie, chichi, game over que la pote pour l'équipe très motivée, très content. Je dis là, qui cadeau balbaye au blender rechargeable Panaz. Et puis, ma baille également deux pompes électriques Panaz. Deux pompes électriques Panaz plus sur blender rechargeable Panaz. C'est cadeau ça qu'on peut bail à top fan à super fan nous yo. Donc même qui déjà monté dans live sur Facebook là nous bonsoir, nous tout bienvenue et puis Christian Bega bonjour. Donc nous tout bienvenue dans 82e sortie chichi game over à partager, commenter, like, mettre étoile. Mon Instagram moi yo comment nous yé bisou. Instagram moi pile love sur ça. Donc commenter, like, DM live là râler mon yo. Non, live là. Et puis, je nous connais le chose à pas trop dépendre Panaz pour tout produit électroménager que vous besoin. Vous besoin fou, vous besoin frigidaire, télévision, boombox, fer à repasser, blender rechargeable, vous besoin pompe électrique, vous besoin petit boombox, moyen boombox, grand boombox, ventilateur rechargeable, ventilateur non rechargeable. Tout produit ça, c'est dans Panaz, produit Panaz, waché, qui dans Mikado, Delma 46, Mikado, Delma 31. Mikado, route de l'aéroport. Et puis, nous allons enchaîner avec la première rubrique nous jeudi, qui c'est la citation du jour. C'est comme ça que nous lançons Shoah depuis 2021. La citation du jour. Nous avons besoin de Greg Fonbaï, la citation. Greg, citation de l'orbitite. Mettez citation. Citation du jour, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Donc, l'on tolérant, c'est d'abord t'être où ou rendre service, c'est d'abord t'être où que ou bailler la paix, c'est ça que je veux dire. Donc, l'on tempéré ou être tolérant, ou pas dans la bataille, ou pas dans le gourmet, ou pas dans le jour, ou préserver la paix. La paix intérieure, c'est très important. Donc, c'est ça que nous portons pour comme citation du jour de Kofi Annan, que nous connaissons assez bien en Haïti, ancien secrétaire général des Nations Unies. Et puis, après, elle démarre avec ces informations. Il y a un paquet de fiches qui boulent. Nous avons commencé avec l'Angleterre, oui. Mais comme il y a un paquet de fiches qui boulent, je suis obligé de passer rapidement sous Europa League, Christian Boulet, Delphine Boulet. Voilà, son grillé. Greg, t'es pour d'aller même, n'est pas égaré. Donc le fichier boulet comme ça li bon pour Maria Jacquay, donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Maria Jacquay nous connaît que c'est sponsor chichi et Game of. Donc on va pas voir toutes ces résultats, on va pas tout temps ça dans mais nous même dit nous que Tottenham monsieur si nous était juste Tottenham nous pas qu'a dit que nous perdu. Tottenham fait travail par lui même comme équipe qui sorti dans top 5 en Europe, il a écrasé Wolfsburg qui c'est un club autrichien qui a battu 4-1 avec Robinson, Gareth Bale, Lucas Moura et Vinicius qui fait gol. Pas confondu avec l'autre là, Vinicius Junior qui s'est attaqué au Brésilien qui gagne 20 ans cap jeune Real Madrid. Ça c'est Brésilien tout, mais c'est pas Junior, ça c'est Carlos Vinicius Alves Moraes qui t'est scoré pour Tottenham. Et puis l'autre résultat, si nous déjà sur Manchester, tout nous pas dit nous perdu monsieur. Manchester t'a joué face à Real Sociedad qui a battu 4-0. Bruno Fernandes fait 2 goals, Marcus Rashford, Daniel James fait goal. Faut nous parier avec intelligence, OK? Si Manchester a joué, nous pas capable de jouer sur match, jouer sur Rashford et pas Rashford jouer sur Bruno. Bruno Fernandes c'est là faut bout de goal quand même. Même si son pénal l'a fait goal quand même pour Manchester United, donc ils font doublé pour eux hier. Arsenal lui-même l'a fait 1-1 face à Benfica, ça fait longtemps dit nous pas plein de parier sur Arsenal parce que l'équipe sont par contre jamais comme ça va le remettre nos matchs, c'est Bukayo Saka qui était fait goal pour Arsenal. Milan AC, ça c'est surprenant. Il a joué la CAE Étoile Rouge Belgrade, donc en Serbie. Ils font 2-2 avec un autogol et puis Théo Hernandez qui a joué bien. L'équipe Milan AC en saison ça et qui fait goal. Donc Milan qui a gagné un devoir de réaction positive jeudi prochain. Le Yapke pour recevoir Étoile Rouge Belgrade. Leicester a fait 0-0 face à Slavia Prague. C'est là où on a son perdu. Peut-être qu'il a joué au vieux goal Jamie Vardy. Leicester fait 0-0 face à Slavia Prague.
Villarreal fait 2-0, il a battu Red Bull Salzbourg 2-0. Par quoi, le Alcacer, ancien joueur Barça, fait goal. Roma, puis la équipe Braga, qui a battu 2-0. Edin Dzeko, Borja Mayoral, c'est eux-mêmes qui fait goal pour Roma, qui est l'équipe qui compte respecter Noyo. C'est le cas de AS Roma. Et puis Naples, on parle de l'équipe qui respecte Noyo. Naples, c'est pas sérieux du tout ça. Naples qui perdu face à Granada par 2-0. Lille, équipe qui était battue dans la phase de groupe, la 3-0, et bien Lille tombée face à Ajax hier par 2-1. Tadic fait un goal à Ajax, c'était sous pénal, mais des goals qui fait le dernier quart d'heure match. Et côté que Lille nous score, et puis en l'espace de 2 minutes, Ajax égalisé, Ajax fait goal victoire. Bon, c'est un résultat qui t'a plus intéressé, mieux, vraiment. Et puis, on va traverser en Angleterre, puisque on va gagner le derby de la Mersey. OK, côté que deux clubs qui basés à Liverpool Football Club et Everton, pral face à face dans le championnat anglais au week-end ça. Il y a un coach qui parlait, par exemple, et Carlo Ancelotti, il a été posé des questions sur l'état de forme James Rodriguez, parce que James baissé en pile pour l'année 2021. Ça, Ancelotti, coach expérimenté, équipe Everton, a répondu aux journalistes comme ça. Il dit James, c'est bien. Il n'y a pas aucun problème. Et nous parler tous les jours, il est très content. Il dit que James est confiant, James est motivé. Il a eu un petit problème pendant les derniers matchs avec Molel. Maintenant, il dit que il est en bon état, il se sent bien parce que tout le monde prend soin de lui et c'est tout. Donc, c'est ça que Ancelotti a un petit peu relativisé, passage à vide que James gagnait dans toute équipe Everton pour année ça. Parce que leur saison était commencée en septembre, James était tout feu tout flamme. La fait goal, la bypass goal par exemple pour Dominic Calvert-Lewin. Mais à partir de fin 2021, en décembre, et surtout pendant 2021, là, c'est pas même James Rodriguez qui a commencé à poser des questions. Et sous régularité, James, est-ce qu'il est capable de faire une saison pleine? Genre, par exemple, il était fait dans Monaco, ou encore, genre, il était fait dans la première saison dans Real Madrid, saison 2014-2015. Donc, c'est ça que Ancelotti te répond. L'équipe a quand même gagné, il y a un rendez-vous important face à l'équipe Liverpool. Là, est-ce que Liverpool prend revanche par rapport à Everton? Parce que dernier derby a fait énormément de tort à Liverpool. Ils ont perdu Virgil van Dijk. C'était dans le derby ça, le 17 octobre dernier. Donc, depuis octobre, Van Dijk qui a 4 mois de disponibilité. Il a supposé qu'il y a 2 mois encore. Donc Van Dijk qui a retourné jusqu'en avril. Donc dans la fin de saison nette, journaliste a été posé Jürgen Klopp question. Est-ce qu'il a toujours pensé à capable de dire soirée cauchemardesque ça? C'est vrai qu'au niveau de score, ce n'était pas si grave, c'était 1-2-2. Mais le fait qu'il ait perdu. Et nous sommes capables de dire principal leader équipe, patron des forces, et pour aussi longtemps, ça a été forcément fait mal à l'équipe Liverpool. Eh bien, Jürgen Klopp dit, oui, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il dit, là, nous venons recevoir diagnostic Virgil van Dijk, là, il dit, ça, c'est pas trop bon bagaille pour nous. Donc, c'est ça dit pendant une semaine, pendant 2 semaines, je t'ai pensé à ça, à l'absence Van Dijk, résultat ça que tu as fait face à Everton. Je rappelle que Van Dijk était blessé, c'était un choc avec Jordan Pickford. Et c'est là qu'il a frappé dans le genou. Jordan Pickford, c'est goalkeeper international anglais, donc il joue pour sélection anglaise. Et c'est portier titulaire équipe Everton. Donc, c'est avec que Van Dijk a été frappé. C'est ça que Klopp dit dans la conférence. Il dit une semaine, 2 semaines, 3 semaines après. Il dit Léo te recevoir. Et donc, diagnostic, ça te fait et mal. Mais après ça, il dit c'est du passé. Il dit nous tous, nous sommes des êtres humains. Et bien sûr, il n'est pas agréable. Mais Kounia, ça fait longtemps que nous pas pensé à ça encore. Donc, il dit que nous pas pensé à blessure Van Dijk là encore. Nous pas pensé à absence Van Dijk là encore. Yo focus sur l'avenir, c'est ça que Jürgen Klopp fait qu'on est donc fanatique football Liverpool Everton, c'est pour midi 30 demain dans Anfield que ça va dérouler. Alors en attendant que nous voyons quelques matchs, parce que si nous besoin programmation honnête sur bas écran mon Facebook yo, mon Instagram yo, et c'est surtout pour nous que moi bail quelques matchs, OK, bail quelques programmations de matchs, parce que pour moun qui sur Facebook yo well dans bas écran, parce que directeur Greg mettait bonne passante.
Donc, en Angleterre, yo te gata la séjourné en jodi an, kote ke gen Leeds United ki tap joué, la Kai Wolverhampton yo perdu par 1-0, yo frappe d'Adama Traoré, et que portier an mal apprécié, donc li bay tèt li gol Meslier. Dwe de non li, Meslier, goalkeeper et français, équipe Leeds la, ki bay tèt li gol, donc coup dur pour Leeds, coup dur pour équipe Leeds la, pour Marcelo Bielsa, yo perdu yo autogol du goalkeeper Meslier. Donc, en Angleterre, c'est déjà la 25e journée, nous, ça veut dire, il manque seulement 13 journées pour le championnat à boucler. Et le week-end, ça, nous allons gâter, parce que il y a quand même Arsenal qui a joué face à Manchester City. Et je dis, on a pris une déclaration de Pep Guardiola qui a voyé fleur pour Mikel Arteta. Il dit, c'est pas parce que Arteta est à Joel, c'est pas parce que Arteta est travaille ensemble avec lui pendant des saisons dans City, qui fait que Arteta est un coach, et que Arteta a pile talent, des compétences pour diriger une équipe. Donc là, des propos élogieux à la veille de un choc entre deux équipes. Yo, Mikel Arteta n'a pas appelé qui était adjoint Pep Guardiola dans City. Donc c'est poste ça qu'il a quitté pour devenir comme coach principal Arsenal. Donc en Angleterre demain, et ça vraiment et fanatique sport nous gagnons mais nous pour week-end ça pas dormi par contre qui l'a dormi moi Greg Dimchilov tout le 23h30 parce que une finale là au à 3h30 du matin après ça faut nous garder Chelsea hein Chelsea à 7h30 why donc le lever à 3h et comme mesdames même c'est au meilleur de 2-7 donc si vous faites 2-7 à eux ça passe mais imaginez c'est ton final masculin qui allait aux victoires au meilleur de par exemple 3-7 donc au meilleur de 5-7 là on a 2h30 et demi jusqu'à 3h par exemple 3h30 jusqu'à 6h là c'est tout fait le pour Chelsea donc comme c'est pour mesdames yo, généralement c'est 1h30 à la rigueur 2h mais c'est 1h15 1h30 que match mesdames yo durer donc l'autre fin garder Naomi nous capable faut dormir à 5h et puis pour courir le vent encore à 7h. Donc, Chelsea face à Southampton, c'est à 7h30 demain matin. Donc, levez pour nous. Depuis Naomi, on commence à faire fichu sur Paris à Jacques pour ne pas rater Chelsea. Posez. Et puis, demain tout, à 12h30 en Angleterre, il y a Liverpool Instagram. Ok? Il y a Liverpool qui a joué contre Everton, derby de la Mersey. C'est de ça que nous avons parlé, de ta déclaration de club, déclaration de. Quand on dit. Et puis, demain. Sheffield, mais c'est pas intéressant. Donc rendez-vous important demain en Angleterre, Southampton Chelsea 7h30, Liverpool Everton à 12h30 demain. Et puis dans dimanche, n'a pas Tottenham à 7h cap la caille West Ham encore et puis songez que n'a bon final. Djoko à 3h30. Nous dit nous ça, hein, dormi bonheur parce que pas gagne dans le vétan pour Fanatic Sport pour week-end ça. Donc Tottenham, la caille équipe West Ham, c'est à 7h du matin dimanche. Leicester à Placation Villa, c'est à 9h. À 11h30, Arsenal a joué face à Manchester City. Mais Arsenal est tellement pas campé sur rien que vous avez l'impression qu'il n'est presque pas été un match ordinaire. Contrairement à Liverpool, Everton, dans le Bradim, son derby toujours, c'est grosse rivalité entre deux clubs qui passaient dans la même ville. Mais il y a 4 ans, il y a par exemple 5 ans de cela, Arsenal City a beaucoup plus pimenté. City, la CAI Arsenal à 11h30, City qui dégage match en retard que je mets mercredi face à Everton qui était battu 3-1. Donc, il y a une équipe Manchester City qui gagne 10 points en plus United dans le classement. Donc, pas de pression pour Citizens. United, justement, quand je dis dimanche tout, à 2h, il y a un jeu face à Newcastle, lui-même qui n'est pas classement. City gagne 56 points en Angleterre, United gagne 46, Leicester gagne 46 tout, Chelsea gagne 42, West Ham 5e 42, Liverpool 6e 40, Everton 7e 37. Donc nous avons derby, ce derby a 6 points, parce que si c'est Everton qui bat, il a gagné 40 points, même Jean avec Liverpool, et d'autant plus que ils ont fait 2-2 à l'aller, donc là ils sont capables de passer devant Liverpool dans le classement, un duel très intéressant. Et puis, il faut que nous disions que victoire, ça que Wolverhampton fait face à Leeds United dans le jeudi, eh bien, il prend 11e place dans les Leeds, parce que Yovin a 33 points, donc il est 11e. Et puis, Leeds descend dans 12e place avec 32 points. Mo Salah, 17 goals. Mo Salah, capture demain pour Liverpool face à Everton. C'est lui-même qui est en tête de classement buteur en Angleterre. Bruno Fernandes, qui a 14 goals. Dominic Calvert-Lewin, cap dans le duel tout demain face à Liverpool.
qui a 13 goals. Harry Kane qui a 13 goals. Hutchinson qui a 13 goals. Deux compères Tottenham. Ça a une balle qui était l'autre dans les classes buteurs. Là, chaque qui a 13 goals. Et puis, m'a pas quitté l'Angleterre pour m'aller en Espagne. L'Espagne, je vous dis, l'équipe en bêtissant, gagné et a fait par 2 goals à 0. Donc, une victoire qui permet de monter dans la 6e place en Espagne. Donc, rejoindre une équipe alors, qui monte dans la 6e place, donc avancer vers top 5. Mauvaise nouvelle pour Betis, c'est la blessure de Nabil Fekir, pourtant, le milieu de terrain. C'est ça, nous avons une équipe très importante pour yo. De fait, on a pour une occasion 24e journée championnat. Demain, en Espagne, il y a Atlético Madrid qui a joué face à Levante. Atlético qui était fond nul déjà face à Celta Vigo 2-2. Il y a un match en retard qui a joué pendant la semaine. Il y a fond nul encore, je crois que c'était face à Levante. Donc, Atlético, en quelque sorte, qui bout de ralentissement. Je ne pas dire qu'on passage à vide parce que c'est quand même de nul. Ce n'est pas perdu, perdu. Mais on tire ralentissement parce qu'il était sous lui. Trois consécutives au championnat. Donc, Atlético après Wanda, Metropolitano à 10h15, Ramon Grasso pour Paul ou Confer. Donc, Atlético Madrid à 10h15, jeu contre Levante. Donc, c'est pour demain. Demain, tout, nous avons Valence qui a joué contre Celta Vigo à 12h30 en Espagne. Fait fichu bonhomme, dis-nous ça. Real Madrid après la CAE Valladolid à 3h demain après-midi. Real Madrid que il a annoncé qu'il est très intéressé par Erling Haaland, mais ce n'est pas seul lui-même. Il a fait citer le FC Barcelone. De temps en temps, il a parlé de l'équipe Chelsea qui est intéressée par Haaland, Norvégien qui a 20 ans capturé dans Dortmund, qui a fait doublé pour lui face à Séville dans la 8e de finale de Champions League. C'était mercredi dernier. Donc, Erling Haaland, il a même parlé que Chelsea prêt pour lui faire une offre de 90 millions d'euros par Dortmund. Ça a révélé qu'on ferme les bouches, parce qu'avec une somme comme ça, dans un contexte aussi difficile avec COVID-19, ce n'est pas sûr que notre monde va refuser. Parce que nous connaissons, Real Madrid, ça fait des semaines qu'il est sous piste ça. Il a été annoncé à l'un d'avenir dans l'équipe pendant la trêve estivale. Cela n'a pas été fait. Il a été annoncé le capable de venir tout, mais ça n'a pas été du tout pendant janvier. En mi-temps et en saison, pas de quoi. Mais Zizou, il a toujours voulu gagner à l'un pour venir former alors une nouvelle attaque. Pour équipe Real pour la prochaine saison. Donc, il a parlé de Chelsea Jandilan, il a cité Manchester City qui est en embuscade, il a cité Manchester United, donc club anglais eux-mêmes qui prêt pour mettre le paquet devant dirigeant Dortmund, mais Zizou qui voulait jouer surtout de bonne entente qui gagne entre dirigeant Dortmund et dirigeant Real, capable de trouver et en Ligue Wallon pour venir dans l'équipe là. Et puis, comme vous connaissez Real, yo a rénové net Santiago Bernabéu, c'est ça qui fait que c'est dans centre d'alpre de Di Stéfano que yo joué avec Di Stéfano qui c'est hispano-argentin qui débranche Champions League que ce soit 56, 57, 58 etc. avec Real, donc yo icône de club là, donc centre ça généralement c'est Castilla contre Jordan, donc l'équipe réserve du Real, c'est là que yo joué et c'est ça le fait que Bernabéu en innovation. Eh bien, Zizou, Ligue ou stratégie, Real doit pas autant de liquidité que Chelsea, par exemple. Mais Zizou va laisser convaincre un joueur d'un coup à l'un, nous parler tout de Kylian Mbappé, et avec un projet comme si c'est eux-mêmes qui prennent le porte tendance, c'est eux-mêmes qui prennent l'ambassadeur, nouveau stade, ça que Real Madrid a construit. La PC joue sous aspect émotion, et puis la PC joue tout sous bonne relation qui vient entre dirigeants de l'équipe. Yo. Mais Chelsea, pas dans tout le bagage, ça, Chelsea, c'est comme là, c'est comme là, il paraît pour y arrêter sous table et il paraît pour faire ça d'ici les prochaines semaines. Il va le temps de faire saison en juillet, côté que Mercato a la chaud. Non, il voulait. Et Joe Bayern qu'on fait là, le Bayern a pris un joueur dans l'autre monde. C'est depuis mars, avril, je lui ai dit, ok, c'est ma dernière saison, je m'en vais à Bayern, etc. Eh bien, Chelsea voulait faire même stratégie Baba Wals. Donc, dès mars, avril, faut offre concrète à l'autre monde et puis mettre tout le monde à route. Même dit tout le monde, Manchester City, Manchester United, il a parlé tout de. Alors, Real Madrid, ça c'était clair, mais aussi tellement tout, nos clubs, d'un coup, Juventus qui était en embuscade parce que tout le monde est intéressé par Erling Haaland. Tout ça pour me ramener le sujet à vers Real Madrid. Real qui a joué à 3h face à Valladolid. C'est demain samedi. Real nous connaît toujours sans Daniel Carvajal, toujours sans et capitaine Sergio Ramos. Il y a pas de déplacement. Dimanche, pas voilà. Mais ça me tape dire parce qu'en Angleterre, ok,
dimanche à 7h, Tottenham à Placay. Équipe Wessam, Wessam qui a fait un bon championnat, Wessam qui est 5e à 42 points. Donc, il y a devant Tottenham dans le classement, Tottenham qui est juste 9e à 36 points. Et puis, même dimanche, pour Barcelone choisit jouer à 8h du matin. Donc, lorsqu'on est dans le Djoko, parlons de mon Dieu, par exemple, Medvedev dit bon, je joue les troubles faits, je vais Djoko dans le 5e set. Donc, le 3h30, au moins là, nous sommes dans 5h30, nous sommes 6h du matin. Donc, fini dans Djoko pour regarder le discours, etc. Puis 7h. Donc, 7h, tout a tombé dans Tottenham ou tout enchaîné dans Barcelone. Fanatic Sport dit nous, nous ne pas dormir le week-end. Donc, Barcelone face à Cadiz, c'est à 8h. Alors, 8h du matin, la presse commence à parler de éventuel départ de Ronald Koeman après saison ça, parce que les résultats sont beaucoup plus fini. L'équipe là est en ballotage défavorable dans la Coupe du Roi. Ils ont perdu 2-0 face à FC Séville dans la demi-finale année. Ils ont joué contre Séville le 3 mars dans le match retour avec obligation de victoire, bien entendu. Ils ont perdu dans la Champions League face à Paris 4-1. Et le dimanche, donc 8 jours après le match de Séville, il y a allé dans le Parc des Princes pour jouer contre Paris Saint-Germain dans le match retour. Donc, l'avenir de Ronald Koeman a joué pendant le mois de mars. Parce qu'il y a deux matchs pour ne pas perdre. Pas perdu contre Séville, donc qualifié pour la finale Coupe du Roi, et pas perdu contre Paris Saint-Germain. Je ne pas dit qualifié parce que qualifié pas est tellement difficile. Pas perdu dans le Parc des Princes parce que même si Barça bat 2-1 par exemple, nous connaissons Barça Pédi. Mais Al pour 3-0 encore, 4-1 encore face à Paris, 8 goals, 7 goals, 6 goals en 2 matchs, c'est encore une catastrophe pour l'équipe Barcelone. Donc, Ronald Koeman, moi, Barça, c'est moi avenir. C'est moi à côté que je suis capable de dire, moi là pour Barcelone, au moins pour une autre saison encore. Et c'est moi tout qui est capable de dire, ok, Koeman, on va liquider les affaires courantes en attendant. Parce que l'élection, quand elle est faite dans l'équipe Barcelone, Yohan Laporta lui-même, sa crainte est c'est Xavi. Victor Font, par exemple, de temps en temps, pensait que oui, Xavi, mais est-ce que l'expérience de coacher au niveau A, est-ce que c'est pour ne pas faire une transition, etc. Transition, par exemple, pour t'entraîner l'équipe réserve. Là. Mais Laporta, qui toujours a parlé, Xavi, depuis le fini, Xavi capable d'entraîner l'équipe là, et Xavi, dans une récente déclaration qu'il fait, dans une interview qu'il a FIFA.com, il dit oui, il t'a remis entraîner FC Barcelone. Mais elle n'a pas dit qu'il veut. Donc, ni confirmer la rumeur qui fait croire que c'est lui-même qui est capable de remplacer Ronald Koeman. Donc, en pile pression, sous dos, néerlandais, Blanc Koeman, et un incident qui passait dans le match Barcelone face à Paris Saint-Germain, côté que Piqué, t'as relé de Griezmann, dit Griezmann, ou son sénateur, de vous perdre du ballon, ou pas voulez participer dans tâche défensive, ou être campé, ou marcher, ou bien garder. Et Griezmann te dit, et puis qu'elle font pause, ok? Mais comme on sou, pas vite bonne pression là. Donc, jusqu'à ce que monsieur Youn vienne à jouer l'autre, et la presse te dit, qu'on litige ouvert entre deux joueurs, mais ben, au final, des proches de vestiaire, Barcelone a fait connaître que c'était juste un petit engueulade entre joueurs qui étaient sous pression dans un match difficile de haute importance, mais entre temps, pas grand rien, pas grand âge de guerre vraiment entre eux. Donc là, incident lit est fait quand même, et d'ailleurs, Guéien, ancien goalkeeper Barcelone, Andoni Zubizarreta, qui est consultant, qui a parlé, qui a réagi sur l'incident de tout côté, qui a dit si dans le moment où il était goalkeeper Barcelone, et que Blanc Koeman, par exemple, était joueur Barcelone, il était contre TP, engueulade entre joueurs, il dit non seulement il a eu des images pour faire plusieurs clips, mais il a eu des images pour faire une série Netflix avec plusieurs saisons. Donc tout ça, c'est pour être capable de relativiser cette prise de bec qui a eu entre Griezmann et Gérard Piqué, et Youn Patap Jobien. Piqué, Patap Jobien derrière, et Griezmann, pas de côté, grand-chose offensivement pour le FC Barcelone. Donc, Barcelone, face à Cadiz, match ça, c'est pour dimanche 8h du matin. Sociedad a joué contre Alavés à 10h15. Sociedad se perdu en Europa League. Donc là, il va tenter rebondir le championnat parce que nous connaissons Europa League, contrairement à la Champions League, côté que l'équipe a fini jouer saison ça, par exemple, l'a fini jouer c'est dans 3 semaines que l'on a joué encore. Et bien, pour Europa League, c'est à la 8e. On finit jouer jeudi, ou a joué jeudi prochain en 16e de finale. Parce que c'est comme ça. Et puis, il y a pas le fait de tirage au sort pour 8e de finale. Donc, Sociedad va jouer encore dans Europa League dès jeudi. Il y a pour se voir à la veste à 10h15 dimanche.
Et puis Granada tout qui dans Europa League à la CAI USK à 12h30 dimanche. Bilbao Villarreal, si équipe ça respecte Rayo, respecte Noyo, respecte tradition yo à 3h dimanche après-midi, t'as supposé yo bel petit match plaisant. Et puis FCCF a pris pour jouer face à Osasuna, ça c'est dans lundi à 3h pour capable clôturer 24e journée Liga. Atlético Madrid leader, mais il y a un match à retard que gaspillé le dernier match à retard. Atlético a 55 points, Real Madrid a 49 points, FC Barcelone a 46, FC Séville a 45, Sociedad a 38 points, Villarreal a 36 points en Espagne. Et puis noté, c'est Luis Suarez en 23 matchs qui fait 16 goals déjà dans le championnat pour Atlético. Lionel Messi fait 15 goals et puis à 13 goals, le jeune de Stéphane Desiri qui a joué dans l'équipe Sevilla et Gérard Moreno qui s'est attaquant Villarreal. Karim Benzema a 12 goals. Avant d'aller en Italie, faut passer pour moi comment mon moyo réagit sur Facebook là, sur Instagram là pendant ma traversée tout déposer par Jacques Adieu pour moi. Gregi, c'est sûr, moi qui Greg Boulsion, ça, Gregi, allez, pariage, la caille, www.pariagelacaille.com, c'est là pour aller parier sur tout match, Liverpool, Everton, c'est là pour aller parier Arsenal, Manchester City, c'est là également pour aller parier sur pariagelacaille.com, passez suivre sur Instagram, mon Facebook, partagez, commentez, like, Instagram, t'as le va passer ou tout, partagez live là. Pour Chichi Game Over, s'il vous plaît. Bien qu'à jour, comment ça va? Je dis un peu, ouais, je Daniel, lui jeune. Moi, tu es tout, oh, Seigneur, Pierre Richard. Je Daniel, lui jeune, je suis chez Cardone et TBC. Je vais faire photo. Pourquoi? En tout cas, je suis tellement content. Je suis content de toujours nos discussions avec Richard Jean-Baptiste, avec Nali, dans la live sur Instagram, je suis chez Cardone. En parlant de cadeaux, je dirais que un blender rechargeable panas et puis je vais deux pompes électriques panas. Facebook, pas faut y passer. Mais si je suis content que je salue tout le monde, Fat Bezio, qui a partagé. Je connais une pile fiche qui boule, mais peut-être nous sous épaules, nous, dans l'autre fiche que nous allons faire, nous ne voulons pas perdre, nous voulons nous gagner. C'est Fat Bezio que nous avons. Et Castien, Bruno Zier, salut la belle chichi, salut. Monsieur Mathieu, amoué, partagez le guys, on a les mes amours, partagez le. Monsieur Mathieu, vous avez une pompe électrique déjà? On peut. Mais déposez une pompe pour Monsieur Mathieu pour moi. Ok, retirez le métier sous côté, retirez le dépôt. Vous avez des pompes, non? Monsieur Mathieu, capable de partager le live là. Et ça, moi, très content, très à cœur. Merci beaucoup. Et puis, Instagram m'a passé pour moi deux commentaires. Après, ça m'a retourné encore. Je dis, quitte me presser. Quitte m'a pressé, m'a fait amie parce que Open d'Australie a fini sous moi. Le temps pour moi, aller en mai là pour aller dans Garros. Bon, comment je suis supposé que Mastersville Miami par exemple. Mais ça, pour un petit temps, m'a fait amie. Instagram, comment nous y est, téléphone, ça presque 10 choses, je suis love. Et Peter Camille ou pas toi, tout chichi côté. Non, Peter Camille. Si vous passez, vous pas dit chichi, mais Peter Camille, pas pour vous. Pas trop. Pas rester sur les TVC, pas trop dans la cour, parce que je t'aime d'apprendre Grimio. Et puis, s'il vous plaît, go monsieur sur Instagram, qui est même dans la gorge pour votre ordinateur ou rechargeable. Chaque fois que je fais, ou mis Grimio, je vais jamais chercher après ça, je vais me dire, je suis là, est-ce que je vais me cadeau? Monsieur, cadeau est disponible dans RTVC. À chercher cadeau, please. Ok. Instagram, comment vous êtes? Ok, montez. Commentez, vous allez aller en Italie. En Italie, il y a gardé sur l'Allemagne, il y a gardé sur l'Angleterre, parce que ce n'était pas comme ça avant. Côté que journée de championnat en Italie fait sur 4 jours. Il y a des matchs vendredi, des matchs samedi, des matchs dimanche, des matchs lundi. Donc jeudi, Fiorentina bat Spezia par 3-0. Vlahovic encore une fois scoré pour eux. Et puis Cagliari tombé face à Torino par 2-0. Bagaille sérieux en Italie, c'est demain. Lazio a joué à 9h face à Sampdoria. Et puis dimanche, il y a un derby qui a fait dans San Siro. Milan, c'est face à Inter de Milan. Inter, c'est leader, 50 points. Milan, deuxième, 49 points. Duel très important. Inter, il n'y a pas de défendre encore. Il n'y a pas de Coupe d'Italie. Il n'y a pas de Champions League. Il n'y a pas d'Europa League. Donc, comptez sous pas pour le championnat de la saison.
c'est vous-même qui pouvez démissionner. Vous pas besoin de quitter Limogé. Même Jean Villas-Boas te dit, dès que Marseille cherche un autre entraîneur, vous me campez là. Marseille, si vous avez battu deux jours après, bien Villas-Boas, c'est une conférence, il dit, ok, moi, je démissionne longtemps. En tout cas, Antonio Conte, si vous pas prêt à championnat de la saison, ça, avec mon ou gain en main, vous pas gagné l'autre échéance, vous pas gagné pression, vous pas gagné journée en milieu de semaine, tant que Juventus, tant que Naples, par exemple, ou supposé, al pour aller sabbatique, pas qu'on est allé à Hawaï, vin dans les Caraïbes là, ok, sous les tropiques, vin pour petit chaleur, vin relax, parce que ça ne marche pas. Pas qu'on tout le monde ça pour ou pas qu'à champion. D'autant plus que Juventus est en phase de transition. Milan, c'est vrai que un bel collectif, mais qui limite tout, ou même, ou gagne tout le monde que vous besoin. Ou gagne solidité, c'est facile. Ou gagne Lukaku, ou gagne Sanchez, ou gagne Lautaro Martinez, ou gagne Christian Eriksen, ou gagne Arturo Vidal, et j'en passe. Comptez, c'est pas possible. Donc, Milan, c'est face à l'Inter de Milan, 9h du matin, dimanche, vous voulez me dire, nous, ça va aller dormir, nous, c'est jouet. Milan de San Siro au bataille pour la première place. Milan qui saute fond 2-2 face à Étoile Rouge Belgrade. Et nous capables que Pioli pas mettez Zlatan, c'est pas blessé, blessé la passe à Inter. La passe à Inter parce que Emil AC, Inter de Milan, a fait Juventus depuis 2012. C'est lui-même qui a champion ça. Il a besoin de mettre oh là là, il faut que vous posez. A fait 9 Scudetto de suite là, il a besoin de poser avec ça. Et bien, pour sa fête, il faut que c'est gagné ou gagné. Belle duel. C'est vrai que je dis là, Inter de Milan a plus de monde que Milan AC. Et Milan AC, gros équipe, pas de trop pression après Zlatan, et qui nous connaît son grand parleur que nous mais c'est juste si nous avons plus ou moins temporisé. Mais Milan a des joueurs qui jouent bien. Le cas de Théo Hernandez, Yago Shoa, et qui joue bien. Le cas, par exemple, de Tibrahim Dias, de temps en temps que vous mettez, Real, pas de besoin de prêter dans Milan. Milan a tellement aimé Brahim Dias. Yo prêt pour ta prolonger prêt ou encore tout acheter dans le Real. C'est également le cas par exemple de Martino Degor. Real, yo pas besoin là dans Arsenal, la Pregalo était même passeur décisif pour yo dans Europa League, c'est dit fait passe goal pour Bukayo Saka pour Arsenal. Dès qu'a prendre exemple, par exemple Lukajovic qui vient de Francfort qui tout titulaire. Donc Brahim Dias, c'est vrai que lui-même n'a peut-être pas il pensait quelque chose encore dans Real, il t'a même retourné dans Real mais il a bien remercié Dias. Milan Inter, 9h du matin, San Siro, Derby, Milanais, Lombardi Greg, on respire. Et puis, Atalanta qui a joué à midi face à Naples dimanche. Bataille entre 6e Naples et 7e Atalanta. Atalanta, après ça, qui a rendez-vous à Real Madrid en Champions League. C'est au même qui a recevoir l'équipe napolitaine Naples qui a match en retard. Et puis Roma a joué tout dimanche à 2h45 en Italie. Donc en Italie, on est capable de dire que c'est le dimanche que affiche cette soirée. Si nous avons battu des Juventus, c'est parce que Juventus lui-même, c'est dans lundi que l'a joué. La Juve a joué contre Crotone à 2h45 lundi. Plus travail, après Juventus, choisi de jouer lundi. Inter de Milan, c'est leader à 50 points. Milan, c'est 49. AS Roma, c'est 43. Juventus, 4e, 42. Roma, c'est Lazio, 5e, 40. Naples, 40. Atalanta, 43. Équipes à 40 points. Lukaku, gagne 16 goals. Ex-aequo, la première place, classement buteur en Italie, avec Cristiano. Maintenant, Lukaku parle face to face avec Zlatan Ibrahimovic. Moi-même, moi très envie ouais ça. Mais well, déjà, nous ouais on te manque goumet, te gon tête frappée, ok? Dans la Coupe d'Italie, c'était un quart de finale, Inter était passé, Milan était éliminé. Et bien, on a pas besoin de deux géants ça, deux gros garçons. Zlatan qui dans Milan, ancien joueur Inter de Milan, capable affronter Lukaku. Donc Zlatan gagne 14 goals lui-même dans championnat, même Jacques Immobile joueur Lazio. Lukaku gagne 16 goals même Jean à Cristiano. Et puis là moi pour aller en Allemagne, Wolfsburg fait victoire jeudi et tout fait podium. Wolfsburg qui a joué face à Arminia Bielefeld qui a battu 3-0. Donc victoire qui bat l'équipe Wolfsburg de 42 points. Donc à 42 points, il vient troisième, il passe devant Eintracht Frankfurt qui pour jouer Frankfurt qui a 39 points. Et puis en Allemagne demain Bayern Munich a justement joué contre Frankfurt, il y a un bel duel et Bayern qui a pris déplacement. Demain tout gagne Mönchengladbach qui a joué contre Mainz à 9h30. Dortmund la Kai Schalke 04 c'est à midi. Il y a 6 ans, il y a 8 ans de cela.
par exemple, c'est un superbe duel, le Schalke quand t'es sous Pikli, mais Schalke, depuis saison dernière et surtout saison ça, comme bataille, c'est surtout pour maintien en première division. Donc, c'est pas même équipe Schalke 04 là. Donc, Dortmund en déplacement à Gelsenkirchen pour jouer contre Schalke 04. Ça, c'est pour demain à 12h30. Donc, vous entendez, Paya Jacquay pour nous faire fiche nous, bonheur. Et puis, dimanche, Leverkusen a joué contre Augsbourg. Match ça, c'est à 7h30. Leipzig à 9h30 a joué contre Hertha Berlin. Et je passe. Est-ce que forme dit Offenheim? Donc, au Bayern, c'est leader là. Bayern qui se prend au mondial des clubs là. Après ça, qui finit dans le championnat, qui font 3-3. Et lundi, face à Arminia Bielefeld, devant, qui a 49 points. Leipzig, qui a 44. Wolfsburg, qui joue aujourd'hui en 3e, 42. Francfort, 4e, avec 39 points. Et puis Lewandowski, Bobo Lewandowski, Robert Lewandowski, Bob Lewandowski, tout ça doublé Lewandowski, même pour le goal sur eux. OK? Et voilà ça, Christian. Therefore, c'est sur Lewandowski pour jouer goal. 25 goals pour Lewandowski. Qui dit mieux en Europe? Personne. En tout cas, Lewandowski qui a 25 goals, c'est lui-même qui est la tête de classement buteur. Là, André Silva, à Eintracht Francfort, qui a 18 goals. Instagram, tu as un peu de commentaires, même moi encore. Michel Samuel Miguel dit, chéri Vinimbo. Oh, c'est ça. Obson Telo dit, il y a un derby. Pas moi qui ai derby. Hein? Pas moi qui ai derby parce que nous avons Liverpool et Everton. Et puis nous avons Milan AC. Cap jouer face à l'équipe Inter de Milan, donc Alperier. Est-ce que Neymar a un retour dans ça? Alors, concernant Paris Saint-Germain, nous connaissons quelqu'un de blessé, Angel Di Maria avec Neymar. Di Maria, il a annoncé que mi-temps semaine prochaine, donc entre mercredi et jeudi, il a supposé reprendre entraînement graduellement, donc entraînement individuel. Mais quand tu as Neymar, il a parlé, c'est dans 3 semaines que tu as dû reprendre entraînement, et il a parlé tout de possibilités pour Neymar, tu as retourné. Et le 3 mars, par exemple, donc si c'est le cas, même si pas le 3 mars exactement, donc s'il tourne le 6, le 7 mars, il y a des chances pour jouer contre Barça parce que match Barça, c'est pour le 10 mars. Ok. Dis-moi, Vince, bienvenue. Et Vince, merci. Merci à tout le monde qui est avec moi sur Instagram. Là, regardez Instagram, regardez Bouche Moune Jésus. Donc, lui-même, c'est Bouche Moune que l'a regardé, c'est Ah ouais! Obson Telo dit, je vais tous équipe grand monde. Sinon, moi, je pense que Obson Telo est un gros garçon, oui. Oh, et vous-même qui comme ça. Moi, Obson Telo, petit monde, Obson Telo, je suis content de vous. Si le téléphone était dans le même téléphone, et c'est ça, oui, téléphone, pas dans le même qui ne fait pas faire photo. Je fais photo pour montrer où Obson Telo, je vais vous comme ça. La prochaine fois, je vais faire photo, grand monde pose. Et la prochaine fois, je vais faire photo Obson Telo, et qu'à faire ou chez vous de ma live là comme ça. Ok, précieux, loving you, ou bien non. Si, si, est-ce que Neymar... Non, non, Neymar va sanctionner. Neymar, depuis le pas blessé, la peut tourner, la peut jouer. Michel Samuel dit, mon Nobel, il compte parler. Sorry, thank you. Obson Telo dit, trois belles matchs pour le week-end. Eh bien, on a le choix, oui, là. Fanatic Sport, nous, là, pour dormir dimanche soir. Dormir bon le dimanche, mais là, entre deux finales d'édition et tout le football qui est là, grand monde garçon limité, vous comprenez? Donc, pour nous regarder le match. Est-ce qu'on peut se réaliser la prochaine chose face à la machine d'Atalanta ça? Atalanta, son équipe que m'a fait confiance depuis saison dernière parce que nous avons regardé le volume football. Ils ont remonté terrain rapide, en pile intensité, 4 goals moyennes par match, ils ont eu 2 demi-d'elles, 4 pénémontées, Hadbou et Gosens. Ils ont été agréables à regarder. Mais le fait que la vie, c'est comme ça, hein? Je toujours dit, si tu as ce que moi en pile, ma pote pour nous tout la vie son bicyclette. Si pas avancé, on fait back quand même. Parce que ou pas arrêter en place tout le temps. D'ailleurs, sous planète Terre, côté nous y est là, il paraît en place. La tourner. La tourner. Qu'on ne pas gagner qui statique pour une période de temps qui longue. Donc, Atalanta, ou pas progresser, Papou Gomez, Alguma Gasperini, c'était leader équipe là. C'était meneur équipe là. Il a fait du surplace. Donc, je ne pense pas que Atalanta va avoir trop de problèmes parce que ça a Real. Bien entendu, je ne pas dire Real va battre Atalanta. Mais je ne pense pas comme si Atalanta, c'est son gros écurie qui peut faire Real Madrid peur. Bon, Real, c'est vrai que le pas des joueurs, c'est vrai que le des joueurs qui part en forme, c'est vrai que le des joueurs qui carrière presque des héros, comme Luka Modric, par exemple, c'est presque du passé. Mais Atalanta, non. C'est donc question Instagram t'as répondu. Quand tu es en Allemagne, pas de problème. On connaît.
En France, Lyon joue aujourd'hui, hein, Lyon bat 3-0, Lucas Paqueta, joueur Milan, qui traversait dans Lyon, fait goal, gagne tout à World, bête petite que nous ouais, qui compte le football tout. Et le Champions League a fait goal, même fils de paille, et Néerlandais a fait goal sous pénal. Donc Lyon, depuis la 44e minute, a fait tout 3 goals, deuxième mi-temps, il a juste géré. Donc Lyon, c'est leader provisoire, championnat, il a 55 points. On attend Lille jouer, on attend Paris jouer. Nous-mêmes qui comptons jouer, nous comptons ça que les levées d'eau. Donc Lyon est un joueur fait victoire, les levées d'eau. Donc à faire, mon capté que toujours, ça n'a pas intéressé, il a juste le pour le but de Zikos. Il faut te conduire pour contre ça. Eh bien, Lyon bat Brest jeudi. Hein. Demain, nous avons Saint-Étienne, Reims. Et puis Marseille à 11h, Cap la Caïnette. Marseille qui toujours comme ça. Captain Sampaoli. Et Sampaoli dit il n'y a pas de problème pour venir entraîner Marseille. Il faut qu'il finisse champion au Brésil. Parce que Palmeiras a pole position pour le champion. Il faut qu'il reste 3 jours ou non, bagaille comme ça. Donc, pour le venir, c'est dans fin février. Donc, Marseille a patienté. De toute façon, pas de champion. Et puis, Guénis, Metz, Cap fête dimanche. Lille-Lorient, dimanche à 11h05. Lille, là, son belle équipe, oui. Moi, ouais, Lille, deux fois pendant la saison 1, c'est vraiment une belle équipe. D'autant plus que le petit monde là dans Jonathan David. Et puis, Monaco, Paris Saint-Germain, c'est à 3h. Donc, Fabregas, et après déplacement, le parc des presseurs, qui dit Monaco, Greg, dit Fabregas, qui dit Fabregas, dit moi. Donc, Monaco, Paris Saint-Germain, c'est à 3h dimanche. Nous, on travaille avec football pour le week-end là. Je vais vous résumer pour faire pour nous comment pour nous parler. Paris Saint-Germain à domicile contre Monaco dimanche 3h. Et puis, nouveau leader championnat français en attendant, hein, c'est Lyon 55 points, Lille 55 points, deuxième, Paris 3e 54, Monaco 4e 49, Rennes 38. Et puis, l'enfant Mbappé, c'est lui-même qui devant dans le classement buteur. Il a 16 goals, l'enfant Mbappé. Même fils de Paris, il a 13 goals. Oui, ça m'a dit qu'il est dans Monaco, il a 13 goals. Oui, c'est l'enfant Mbappé. 22 ans, il a 13 Mbappé, forme tout ça, l'homme de Mbappé, son petit monde, il a 17 ans. Il a 22 ans. Même Jacques Christian, l'homme de Mbappé, non, Christian, c'est pire. L'homme de Christian, et si vous avez joué Christian sur Instagram, il est Christian. Calixte Bendy, dis plein nom. Christian. Calixte Bendy, CBC Studio. Les gars, entreprise aussi, IO. Donc, l'homme de bon Christian qui s'est dégagé 15 ans. L'homme qui s'est vu dans Chichi 22, c'était. Oh, ma bade, ma crasse de là. Ma sur Facebook. Et déposé date comme pour moi, Greggy. Christian m'a fait dire, parce que si tu as dégagé 15 ans, c'est ma qui allait. Ma crasse de là. Et non, Facebook. Mais chichi, 82e sorti chichi gameover.com. Tout va bien aujourd'hui, pas besoin. Oh, la com, bon bagay. La com, son nom de jeu. La com, I love you. C'est ça, c'est votre métier. C'est la bonne humeur. Surtout avec le coup Greg. C'est pas simple du tout. Donc, partagez, commentez, like, mettez étoile. La com, fibre optique, c'est pas parler. La com, je vous dis, la com, gameplay. L'offel pour aller sur Facebook. Pour aller sur YouTube pour venir à Chichi Game Over. M'baz ou fèl pour aller dans 25 groupes WhatsApp. Ok? M'baz ou fèl pour ça. T'as l'oubli n'a pas pour mégabyte. Comment pour n'a pas pour mégabyte tout? Le ou dans 25 groupes WhatsApp. On a tout groupe. 6 amis en famille, et ceci en famille, la familia, team family, team Libon, team Kobi, ou dans tout team sur WhatsApp. Comment internet doit faire été? Limitez ça. Vous êtes sur Facebook pour nous garder Game Over. Comment nous y là? Bernard Cres Cristiano. Et Bernard, qu'est-ce que ça nous dit? Partagez notre Simon, mettez pompe électrique pour les mouets et Delfort. De vous dire partagez la parce que vous avez besoin de cadeau. Dis partagez la vie. Et Bernard, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez pompe électrique. Vous avez deux pompes électriques. Vous avez un blender rechargeable. Et quel que soit le lien, vous faire ta mire. Ok, Jocelyne Adonis, comment est Jocelyne? Existe pas. Joshua Lipierre, chichi, quand je vous suis dans le poudre. Je poursuis dans le poudre. Ah, monsieur, je poursuis dans le poudre. C'est compliqué, non, même. Si ça te dépend seulement de moi, tu as toujours gagné. Je poursuis dans le poudre parce que pour moi, j'estime que c'est un travail qui est beaucoup plus important que de faire une carrière de journalisme jusqu'à présent parce que c'est un travail de formation. OK? Mais ça ne dépend pas de moi seulement. Leurs conditions réunies encore, nous avons besoin de jour pour jour, la date pour date, nous avons besoin de tout ceci, cela. OK. Jekido, oh, Jekido, quand on était. Ah, Jekido, pas abandonné. Jekido, il faut relèm. Jekido, il faut relèm sur Chichi Game Over. Sur téléphone Chichi Game Over. Relèm sur WhatsApp. Comment est-ce que tu es? Qui ça te passe? Tu es le corona? Je ne sais pas.
Calix, next série, ok. Jean-Max, quand j'ai dit Chichi, quitte ça pour ne pas faire ça. Je me dépose longtemps. Ok. Chichi, moi, je vis face to face. Option tel audio. Ou pas qu'on ne compte pas. Bon, je suis en train de faire ça. Ça, c'est obligé de faire ça sur Facebook. Là. Ok. J'ai écrit dans mon nom de pas well toujours. C'est des personnes face. Ah, c'est là. Ok, face à face. Face à face, je suis là. Fin web. Junior Charlotte, je suis là pour nous live de côté de nous. Chichi, ou fait nous remettre show. Merci beaucoup, Ronel Sano. C'est pour émission. Et comme si côté que sérieuse, analyse, commentaire, ou j'ai comme information. Émission ça, vous faites du lundi au vendredi de 2h30 à 3h sur 94.5 FM Stereo. Et puis, dans votre émission, je suis sérieux. Mais là, c'est plaisir de nous. Ouais, bouffe, gang. Nous t'en avons gang, Capri. Oh my God. Ok, ça, si vous voulez lire, comment vas-tu, ma chérie? Moi, je vais vous lire comment vous êtes. Vous pouvez essayer de mettre à l'aise. Bien qu'à jour de jeudi, je ne comprends pas comment vous êtes. Dis-le, partagez. Moi, je dis ça. Partagez. Partagez. Je vais commenter. Merci. Parce que je vais vous faire écrire, je vais vous faire écrire, regardez. Ok, on a les All-Star Game 2021. Pour ça, il y a un bon type de ceci. Comprenez, il y a changé. Ok, dans la conférence S, nous avons connu qui 5 basketteurs qui sont titulaires dans All-Star Game qui va le faire le 7 mars prochain. Kyrie Irving, Brooklyn. Brad DeBeal, Kevin Durant, Brooklyn fait double oui là. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Il y a un petit monde que j'apprécie. Joel Embiid. Il paraît que vous sentez fragile de temps en temps, mon petit match à raté. Mais je pense que c'est un meilleur talent qui est à l'aise, Joel Embiid, que j'apprécie particulièrement. Giannis Antetokounmpo, double MVP. Est-ce que la trip, on quitte ça là? Donc, nous connaissons déjà, nous connaissons starter pour All-Star Game 2021. À l'aise, nous sommes pas là, mais nous sommes là, on va chercher 7 remplaçants. Parce que pour starter, c'est Greg, c'est Christian, c'est moi-même, c'est nous-mêmes qui votons. Ok, nous avons un gros quota de vote pour choix final. Alors que pour réservation, c'est coach qui va voter. Donc, est-ce que, bon, presque sûr que après James Harden, et par exemple, moi, je suis sûr que vous prenez petit moyen, Jason Tatum, Boston, Jalen Brown, si vous prenez tout, c'est pas mauvais. Qui est-ce que vous êtes capable de prendre très young? Voilà, si vous prenez très young, regardez. Non, ça c'est pour mesdames. Bianca, Jocelyne, regardez très young. Oh, très young, Atlanta, bon petit bagay. Ça c'est mon papa besoin relé pour moi pour réservation. Qui est-ce quoi? Bagay. OK, bon mal à l'ouest starting five là, c'est Stephen Curry, Baby Face, Luka Doncic que m'aimer en pile sauf que Dallas est pas capable de décoller mais que le fait même j'adore de te mettre back dans le Golden State. Qui était Dallas? Kawhi Leonard, LeBron James, Nikola Jokic que je n'aime pas. Donc, à l'ouest mon Kounala, ça c'est starter. Pour jouer les réservations, il y a pas chercher. Moi-même, deux monsieur Clippers, je me dépose de Paul George et Kawhi Leonard, moi je ne parle pas de Clippers encore. Comment pour prendre 3 sous Denver pour yo battre 4-3 dans le demi-finale de conférence. C'est quoi ça? Donc, Doc Rivers, qu'on a dit, gros coach à Philadelphie. Donc, Doc Rivers, je travaille toujours. Pour cette façon, pour me dire que je suis tellement saisi, tellement déçu que l'équipe Clippers a perdu 3 matchs 1, 2, 3. Il y a même 3-1 en série, Christian. Ou même qui basketteur. En tout cas, je ne vais pas jouer. Je ne vais pas jouer. Woody Gobert dans Utah, parce qu'il faut que je prenne. Donovan Mitchell dans Utah, tout. Tu es pour bagaille, Donovan Mitchell. Tout le monde a guetté là. Zion Williamson, tu as dit que je parle de Pelicans. Good bagaille, good bagaille. Qui est-ce que tu as pris pour moi là? Ja Morant, que je m'aime dans Memphis. Ça va. Et puis, tennis. Naomi Osaka, Nao, j'enrai les lents, notre Naomi Osaka de finale. Moi, je me dis à soi, voilà, je dis, je suis à qui le match. Je vais vous dire, on a deux matins, on va vous mettre la 10h de programmation chez 22, et puis pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder, nous ne pouvons pas savoir. 3h30, mes téléphones sont à l'heure. Fan Bézio, là, nous levons pour nous regarder, Naomi, écrit sur Fan. Ok, Delphine, on pleuve. Hugues, vous avez pleuvé? Qui est-ce encore qui est administrateur sur Fanbase? Olasson, vous avez pleuvé? Greg, vous avez pleuvé? Olasson, eh bien, qui est-ce que vous avez gardé Naomi? C'est pas possible, non, monsieur? Non, comment vous avez gardé là? Même si vous ne pouvez pas comprendre, gardez-le. Moi, je comprends.
Ok, donc peut-être, par contre, dépendamment de l'énergie, ma game, quand on passe pour petit commentaire avec Fabrice Boyer à 3h30, des fois, je dis, mais quittez le couple à l'ouvrir. Yeah. Parce que Naomi Brajo est personne de moi. Donc, Naomi face à Jennifer Brady. Jennifer Brady pour la première fois dans le final du Grand Chelem. Jennifer Brady qui devait passer à un autre niveau et pour ça, libre des risques. Par exemple, dans le contexte de Corona, l'a entraîné dans quel pays encore? En Allemagne, je crois, l'a changé coach, l'a sorti dans la Basel Fédération, l'a pris indépendance. Hugues, pas de problème, président, bon bagaille. Pas président, blé deux. Blé deux, Richard Jacques. Oui, pas de problème. Pas président, blé deux. C'est plaisir. Alors, je disais, oh my God, I'm so happy. Ok, Naomi, pas de perdu, là, vous me criez. Naomi, Osaka, face à Tchèque. Naomi Gay m'a pris, Naomi Bell, tu m'as pris. Et personne. Naomi Jennifer Brady, c'est à 3h30 du matin. Si nous ne pouvons pas lever, mettre le téléphone nous soir. On a dit chichi, pas de ça. On ne peut pas laisser la télé, chaîne 2, on a Jean Blaguer, on a Jean Connect qui est branché. Georges, partagez la live. Donc, Cynthia, partagez la live. Ça y est, vous êtes TV, c'est nous. Nous avons parlé de Jennifer Brady, qui en finale face à Naomi. Et Naomi, c'est dans le 4e finale du Grand Chelem. Il est au même Australie déjà, c'était en 2019. Deux US Open, l'an dernier, en 2020, que nous très content pour ça, que ça personnel. Donc, Naomi, quatrième finale de Grand Chelem, dit pourquoi j'ai perdu la finale de Grand Chelem. Jennifer Brady, c'est vraiment qui va stopper ça. Mais comme tout, ou déjà en finale, c'est pas mal. Et puis, pour monsieur, yo, Djokovic, c'est demain, dans la nuit de samedi, pour l'ouvrir dimanche. Donc, demain soir, mes téléphones nous sont à l'homme encore, s'il vous plaît, pour Djokovic. C'est Naomi qui nous levait. Djokovic, s'il vous plaît. Djokovic face à Daniil Medvedev, c'est à 3h30 que ça a fait. Medvedev, tête de série numéro 4. Djokovic, numéro 1 mondial. Donc, Wilson face à Djokovic. Djokovic, Cabrache, son deuxième Open d'Australie face à Daniil Medvedev. Si nous demandons qui est-ce que vous souhaitez gagner, je vais vous dire Medvedev. Parce que Marc Demoun a beau chef de fédéral. Et si ça fait l'heure, si ça passe, éliminer Nadal, nous dit take you, si ça passe. Donc, Djoko face à Daniil Medvedev, 3h30 dimanche. Ma fait raquette là quand même. Ma fait raquette là quand même, Greg. Au nom de Jésus, ma fait raquette là quand même. Dépose raquette. Raquette dans tes yeux. Dépendamment de joueur là, de sa souhaité, ça te passe Facebook moi là. Je vais mettre quitter la terre, on va continuer à Instagram. Donc, juste. Greg, ça qui est là. Ok. On dit que la raquette est inventée dans le 16e siècle, mais était comme utilisée dans le jeu de peau. Maintenant, le tennis a commencé dans le 19e siècle, ils ont utilisé tout pour jouer au tennis. Il y a différents types de raquettes. Jusqu'à René Lacoste, dans le milieu 20e siècle, dans la deuxième moitié surtout, qui devient avec raquette en acier, c'est raquette en bois. Mon Facebook, j'ai dit qu'il y a différents sports qui utilisent la raquette. Tant pour badminton, tant pour squash, tant pour. L'autre sport, etc. Et nous avons tennis sur plage, ça c'est en anglais, traduit pour tennis sur plage, même si j'ai et beach volley sur plage. Donc dès que des beaches, c'est sur plage, en fait, c'est donc. Il y a différents types de raquettes. Mais raquette que je vais parler aujourd'hui, c'est raquette de tennis. Je dis que depuis l'heure où j'ai commencé à jouer tennis, c'est toujours des raquettes. C'était des raquettes en bois que j'ai. Après ça, il y a des raquettes en acier à partir de 1963 que René Lacoste a inventé. Mais malgré ça, il y a des joueurs de tennis qui ont toujours utilisé la raquette en bois. Le cas par exemple de Yannick Noah qui a remporté Roland Garros en 1983 avec une raquette en bois sous terre battue. Maintenant, la raquette a différents matériaux qu'ils ont utilisés pour faire. Par exemple, carbone, acier, titane et j'en passe. Les raquettes, Greg, sont quand même les deux en moins, les différentes parties. Les tamis, c'est le côté qui a pile tibor, ça n'est capable de pour passoir. Les quatre raquettes, qui sont sous côté, je ne vais pas toucher, je ne vais pas prendre les sagas. Et puis, les manches, là tout. Donc, dépendamment du joueur, s'il a besoin de puissance, s'il a besoin de finesse, il choisit la raquette. Par exemple, le coach Federer, il joue avec une raquette qui a un petit tamis. Donc, si l'espace qui est bon, c'est ça que les tamis, parti fait tant qu'on passe soit là, ou tu as fait des lui-même, il y a même pour la quête, il y a un petit petit comme ça, un petit tamis comme ça, et puis il faut quatre de fait. Donc, il parle de la quête comme si pour le bon amel, côté de qui il faut quatre de fait, et puis il faut que machin pas trop gros, ça c'est pour faire des lèvres.
Nadal lui-même, lui préféré pour raquette léger et lui voulait des cordages spécifiques. Donc, joueur tennis, joueuse, yo un petit peu conservateur dans ce cas. Yo pas aimé changer raquette. Par exemple, yo devez faire une année, deux années, trois années avec même raquette là. Ou pas comme ça parce que emballage a changé. Par exemple, si c'est Nike, etc., quel que soit l'équipementier, ou après que habillé, yo passé l'autre décor sous lui, mais c'est même raquette là. Parce que sensation que yo joue là, généralement, yo pas aimé changer. Ça, c'est me dit assez. Oui. Donc, je disais, c'était raquette en tennis. Donc, pour nous dire que raquette, yo utilisé dans plusieurs sports, par exemple, dans badminton, yo utilisé raquette. Et puis, raquette là, dans jouette là, depuis au départ. Oui, donc là, mes tamis, mes manches là, mes cœurs là, gros, c'est sur Facebook. Instagram fait que c'est montré. Donc, c'est ça. Yo fait raquette avec titane, avec carbone, avec acier. Et depuis, fait année 60, c'est raquette en acier que tennismen yo utilisé. Et chaque raquette, de particularité, pas yo. Gé qui bon vitesse, gé qui bon précision. Voilà, je pense que c'est tout. Merci à tout le monde qui était dans le live, là, qui était partagé, qui était commenté, qui like. Merci. Instagram, thank you, gracias, merci. Parce que vous avez commenté, parce que vous avez like, parce que vous avez DM. Quoi? Ouais, thank you. Great cool, fell. Citation. Merci encore. Comme tu parles de citation brièvement, pour ne pas bailler détail. Virgule ladle, point virgule ladle, tiré. Ok. Citation du jour. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. En créole, le dit que sous besoin la paix dans le crâne, il faut que tolérant. Ce n'est pas toute bataille qui est nécessaire. Ce n'est pas toute réplique qui est nécessaire. Ce n'est pas toute explication qui est nécessaire. Que le bagarre au monde, vous supposez. Tranquillité, la paix d'esprit, paix intérieure est beaucoup plus important que réplique, que réponse que tu as mal. Ce n'est pas tout gourmet qui bon, même sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des gens qui viennent, par exemple, ils levent là, ils étaient mal dormi, mal un modèle, ils ne peuvent pas manger, puis ils viennent faire des commentaires sur la photo chiche. Normalement, la réaction, c'est répondre, parce qu'ils ne pas faire internet pour moi, etc. Ils ne peuvent pas payer moi. C'est ça, du tac au tac. Mais et après, qui ça, ça peut apporter chiche en plus? Je vais le faire coller avec un monde que je ne connais pas, avec un faux compte, par exemple. Ça, c'est une mauvaise réaction. La bonne réaction, c'est un bêtise. Ou bien, je dois dire que c'est ouais, chichi bloco. Je rester tranquille, je préserver la paix, parce que la paix du cœur, la paix de l'esprit, c'est des éléments extrêmement importants. Ou capable riche, ou capable de tout bien matériel, mais si vous n'avez pas la paix de l'esprit, ou pas la paix du cœur, ou si vous avez toute maladie, parce que vous n'avez pas la paix. Donc, pour la paix, il y a une bagaille qui peut avoir la paix, c'est la tolérance. Tolérance, là, vous n'avez pas fanatique réel, ou c'est fanatique pour ça. Par exemple, yo bat équipe li 4 à 1 fanatique la faucho pas jouer maman pas rentrer dans vie privée pas gouma avec pour ça c'est relax c'est couler c'est rire c'est by blague c'est poser c'est tempo c'est relax donc c'est ça que citation dit nous préserver la paix nous tolérance moun capable différent de ou moun n'a droit a dit a ou même moi dit b moun n'a droit vrai dans carnaval mon parler tolérance pas jouer parce que l'aller et ou même qui pas aller faut comprendre. C'est choix, tout les restes là pour la paix. Suspendre faire des discussions, suspendre jouer pour Messi à Ronaldo, suspendre bataille, tout les restes. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Donc là, c'est remercie tout le monde. Remercie Facebook, remercie Instagram. Greggy, Christian, thank you. Coordonnateur d'Elfort, songez, je dis à groupe là, après tout l'ouvrir en hommage à Naomi Osaka, best friend. Oui, c'est pas facile, non? Et puis, merci à Wellerson qui porte une énergie positive. Grand monde gars au popol, pas fait quand même. Emily qui retourne passer nous voir ça dans maquillage. Thank you, Emily. Bon retour. Darlene, pas de problème, on paye plein chômage, on a des trois compétitions. On regrette quand même. Et puis, Bobby, ça, c'est la prochaine, tout le sérieux. Soit patronné par Natcom ou Fibre Optico, pour la caille ou pour business, Natcom lié. Soit patronné tout par Riage. Là, caille mariage la caille.com c'est là pour parier mon seul bagage pas prendre player fiche moi bouler fiche moi crier réfléchis avant parier et puis soit pas tout par grand genre de sponsor là paraz qui toujours bail cadeau chaque vendredi dans showa paraz nous même cap prendre ventilateur acheter dans paraz moun cap écrim chichi besoin et au télévision
panaz vendu. À lâcher non panaz. Ou besoin fou panaz. Ou besoin réchaud panaz. Ou besoin blender rechargeable panaz. Ou besoin faire repasser panaz. Ou besoin speaker bluetooth panaz. Ou besoin apple rechargeable panaz. N'était qu'à faire tout ça et un petit panaz. Panaz tellement de produits. Donc bon week-end tout le monde. C'était 82e sortie chez Game Over. Soutenir avec vous en santé, de la joie. Lundi pour 83e sortie. Et songez pour d'autres tolérances. Bye bye tout le monde.